En face de la chapelle de Saint-Joseph, nous prévoyons de construire une chapelle à Padre Pio qui serait reliée au monastère par des arcades. Mais en attendant les financements, on anticipe les fondations, ce qui nous permettrait de prolonger le parvis et puis d'intégrer une rampe pour les personnes à mobilité réduite. C'est parti ! Là, ils ont coulé le béton, mais après, comment est-ce qu'on obtient le béton? Alors, déjà, dans le béton, ils mettent de la fibre pour pouvoir tenir le béton, ce qui remplace le fer. Déjà, on choisit le grain, c'est pas et il arrive tout près. Et pour le, vous verrez tout à l'heure, quand le béton il aura pris un peu, ils vont mettre un produit en surface bleu qui désactive le béton. Et quelques heures après, il passe un coup de karcher pour pouvoir enlever après ce qu'il est pas fait s'asperger. Et du coup, les graviers sont bien accrochés, mais ça ne fait pas béton. Voilà le principe du béton désactivé.